Allô? Salut Mathieu, ça va? Bien, ça va. Pour l'instant, je compte pas rappeler papa, non. Enfin, pas tout de suite en tout cas. On s'est vu hier soir, Mathieu, t'aurais pu me demander. Mais sinon, ça s'est bien passé, comme d'habitude. T'es con, j'ai dit je travaille pas dans les cailloux, c'est de la géologie. Oh, putain, et toi le redoublement, ça va? Ça va, on va dire que j'ai encore des examens la semaine prochaine et je vais avoir les résultats. Je te tiens au courant, ça devrait aller, t'en fais pas. Bon, à ce soir, bisous. Ciao. Plus avancée. Donc je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, mais actuellement, cette connaissance des procédures compliquées est restée. Madame? Madame. Ah, excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Bien sûr. Malheureusement, Madame Volvic, votre état ces dernières semaines s'est largement aggravé. Et les résultats de votre électrocardiogramme ne sont pas aussi positifs qu'on l'avait prévu. Donc actuellement, votre condition va nécessiter une intervention chirurgicale plus avancée. Donc je suis désolée de devoir vous l'apprendre comme ça, mais actuellement, votre unique chance de survie va être d'avoir une transplantation cardiaque. Je me vois. Bonjour à tous, moi je m'appelle Florian. Donc je suis venu à ce groupe de parole afin de parler de ma maladie. Donc on m'a diagnostiqué un cancer des poumons il y a 1 an. Il en est en stade 4 aujourd'hui. Donc ils n'ont toujours pas trouvé de remède pour mon cancer. Donc voilà, donc je suis venu aujourd'hui partager mon expérience auprès de vous tous. Et je vous remercie tous d'être ici. Merci beaucoup Florian pour ton témoignage, c'était très émouvant, je pense qu'on est tous d'accord. Et je propose qu'on laisse la parole à Mathieu ici qui est nouveau et qui nous raconte ce qui lui est arrivé dans la vie. Moi, si je suis ici, c'est pas pour parler de moi, mais du cas de ma sœur, qui... Il y a de fortes chances qu'elle meure à cause de ses problèmes de cœur, et je ressens fortement le besoin d'en parler avec vous ici. Brigade 4 à Centrale, on est bien arrivé sur les lieux d'accident. Il semblerait qu'un piéton ait été percuté rue des Jonquilles. Malheureusement, l'individu est mort suite à ses blessures et il n'a pas été pris en charge à temps. Les pompiers ont transporté son corps en urgence à l'hôpital,
car il était inscrit sur une liste de donneurs d'organes. Nous avons placé le conducteur en garde à vue. Il n'a pas émis de résistance et a été testé négatif aux tests de drogue et d'alcool. Je vous recontacte dès qu'il y a du nouveau. Oui, Madame Volvic, l'hôpital vient m'appeler, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ils ont trouvé un donneur. Mais il faut être très rapide, donc il faut que vous veniez tout de suite à l'hôpital. Mathieu, on m'a trouvé un cœur, rappelle-moi, c'est urgent. Il est juste en train de délibérer, il reste à peu près 10 minutes. Avec tout ça, j'ai pas pu écouter ton message, mon avocat vient de me le montrer, et je suis tellement rassuré pour toi, vraiment c'est trop bien, tu vas pouvoir enfin vivre ta vie. En ce jour du 20 mai 2023, Monsieur Volvic, vous êtes accusé d'homicide involontaire sur la personne de Monsieur Martin. Les faits s'étant déroulés le 15 mai 2023 à Nancy, dans la rue des Jonquilles. Vous êtes jugé coupable du meurtre de Monsieur Martin et écopé donc de la peine de 5 ans de prison ferme. Merci à tous et la séance est levée.